Putain, tu fais toujours la même chose avec ton perso. Il faut quoi, Pierre? Il m'a envoyé un message tout à l'heure, il y a des bouchons sur la route, du coup il va être en retard. Ah ouais, bah comme d'hab, toujours des excuses. Ouais, enfin là, c'est pas de sa faute, les bouchons, ça arrive à tout le monde. Ouais, bah tu vas me dire que c'est à cause des bouchons qu'il a rien foutu à ton déménagement. Oh, ça va, il a passé la serpillière alors qu'il avait mal au dos. Oh là là, je passe la serpillière, j'ai mal au dos. Ouais, bah c'est bon, on va commencer sans lui. Hein. En vrai, il devait ramener toutes les boissons à la dernière soirée, au final, il a ramené qu'une bouteille. Ouais, c'est bien sympa d'être gentil à un moment, mais il faudrait participer un peu quand même. Il ramène que dalle en soirée. Bah si, il nous ramène nous. C'est le seul qui a le permis, hein. Hé hey, Pierre qui roule... ne masse pas mousse. D'accord. Mais c'est vrai qu'il abuse Pierre quand même. Genre la fois où il a perdu notre mémoire, une heure avant qu'on passe. J'avoue. Ouais, en vrai, il était relou sur ce moment-là. Mmh. Bon, il fait quoi? Putain, je pourrais jamais les rembourser comme ça. La dernière fois qu'il était bourré, il m'a éclaté ma baie vitrée, je me suis fait défoncer par ma proprio. Ah, oh, et puis la fois où il nous a lâché pour sa meuf pendant les vacances. Ah, et quand je lui ai demandé de venir me chercher à la gare, et qu'à cause de lui, je suis arrivé en retard au boulot et je me suis fait engueuler par mon patron. Oh, mais c'est bon, t'as pas perdu ton job, et puis t'as pas besoin de lui pour être en retard. Et puis une fois, il m'a rasé les sourcils pendant que je dormais. Mais il a pas voulu nous rembourser les vacances. Il m'a pas pu accéder aux vacances. Il m'a pas pu accéder aux vacances. Mais c'est pas comme la dernière fois. Il m'a pas remboursé les courses à la forêt. Mais non, quand j'ai passé le temps. J'étais dans la merde à cause de lui. Il m'a foutu dans la merde. Mais ouais, mais faudrait qu'il fasse des efforts quand même. Faudrait qu'il fasse des efforts. Sérieux. Non, mais il est pas digne. Oh oh oh. Pourquoi on est encore son pote en fait? Pourquoi on est encore pote avec lui? Bah tout simplement parce que quand tu t'es fait quitter par exemple le mois dernier, c'est lui qui t'a emmené boire des verres, c'est lui qui t'a changé les idées, c'est lui qui était là pour toi. Et toi, quand t'as eu ton accident, il t'a tout de suite emmené à l'hôpital, il était là jusqu'à ce que t'ailles mieux, et moi il m'a hébergé pendant un mois quand j'avais plus d'abri. Salut mec! Oula, ça va, t'as pas l'air bien.